wanna shine and I gotta let it show. Show up on the scene, walk right through the door. Got a nigga on repeat, it's my double up. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V Online sur Allgen pour faire part d'une toute nouvelle vidéo d'information. Alors ce week-end, on m'a envoyé pas mal de photos assez bizarres de GTA Online, donc je vous affiche les images tout de suite à l'écran. Alors sur ces images, on peut apercevoir que le pseudo de ces personnes, il y a écrit Rockstar, Rockstar Admin, et qu'ils ont un personnage vraiment what the fuck et modé. Alors je vous rassure, si jamais vous croisez ce genre de personnes, vous n'avez absolument rien à craindre, car c'est juste des modeurs qui cherchent à vous faire peur et à vous troller. Je vais vous expliquer comment les reconnaître, c'est vraiment super simple. Alors si vous croisez une personne comme celle-ci, vous allez directement sur Start et vous allez dans Joueur et vous regardez le personnage de ce fameux Rockstar Admin ou Rockstar etc. Et si vous apercevez que le personnage en question est what the fuck modé etc, c'est que c'est forcément un modeur qui cherche à vous faire peur et à vous troller. Mais ce n'est pas tout, si jamais vous regardez le tag de crew de ces personnes en question et que vous apercevez qu'il est écrit what the fuck, tug, sexy ou autre, c'est que c'est forcément un fake et un modeur qui cherche à vous faire peur. Les vrais admins de Rockstar qui jouent à GTA Online sur leur tag de crew à la place du rond, eux ils ont le R avec écrit Rockstar et juste après il y a écrit Rockstar Game. Donc voilà comment reconnaître les vrais admins de Rockstar sur GTA 5 Online. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment vous avoir rassuré. Si jamais vous avez déjà croisé ce genre de pseudo, vous n'avez absolument rien à craindre, ils ne vont pas vous bannir etc. Donc vous n'oubliez pas de lâcher un petit like et partager un maximum pour qu'un maximum de personnes soient au courant, ou alors vous leur dites directement. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye tout le monde.